bienvenue sur Chef Founi TV. Aujourd'hui, nous prolongeons encore une fois nos escapades. Je suis toujours en Aquitaine, donc dans l'estuaire de la Gironde, et je vais vous proposer un poisson de la région, un poisson qui remonte l'estuaire généralement au début du printemps jusqu'à la fin de l'été, et qui s'appelle la courbine ou également le maigre. Donc le maigre, c'est un poisson qui ressemble beaucoup à du bar. Il est très fin, il a une chair très fine. Donc je vais vous le cuisiner à la plancha avec des piments doux. Donc des piments doux que l'on trouve dans la région et également surtout dans les Landes et au Pays Basque. C'est un piment donc qui est pas fort du tout, hein, qui ne pique pas et qui a surtout un goût très prolongé de poivron. Donc ce poisson va cuire avec les piments doux, des herbes et à côté je vais vous proposer une plancha de courgettes avec une persillade avec de l'ail, du persil et du basilic. Voilà, j'espère que cette recette vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner à Chef Founi TV si vous ne l'êtes pas, de mettre un pouce si vous avez apprécié la recette et de la partager sur les réseaux sociaux. Merci et à bientôt. Donc nous allons huiler légèrement la plancha. Donc d'un côté, je vais mettre les courgettes à cuire. Donc je les ai taillés simplement en petites rondelles. La courgette, c'est un légume qui cuit très bien la plancha parce qu'il est un petit peu humide, il a quand même une fibre qui n'est pas trop ferme. Voilà, on va même mettre ralenti. On va huiler un tout petit peu sur le dessus. Voilà. Et de l'autre côté, nous allons mettre nos piments doux à cuire. Et on va clocher pour les faire cuire le plus rapidement possible. Vous voyez, ça colore tout de suite. Donc nos courgettes finissent le cuire-cuisissement. Donc j'ai coupé le feu sur la droite de la plancha pour pouvoir finir la cuisson très modérée. Par contre, à gauche, là où il y a les piments, je laissais en chauffe mais modéré. Donc là, on voit que les piments commencent à ramollir. Donc on va pas tarder à pouvoir cuire nos poissons, notre poisson avec les herbes. Nous allons passer les courgettes sur ce côté-là. Voilà, nous allons cuire le poisson ici, de ce côté-là. On va huiler la plancha. Voilà, et pour éviter que le poisson n'accroche, on va le cuire sur une feuille de téflon. On va huiler légèrement. Voilà, donc comme à l'accoutumée, depuis 2-3 recettes de poisson, nous allons
cuire le poisson sur un petit lit d'herbes aromatiques. On va profiter de mettre la persillade dans les courgettes. Ah oui, là, ça colore un peu. Donc là, maintenant, je prépare mon petit lit d'herbe. Je vais bien huiler. Je vais mettre mon poisson. Donc c'est un maigre qui faisait presque 600 grammes. Donc pour deux personnes. Donc là maintenant on peut mettre un petit peu les citrons confits. Donc toujours à feu modéré. Essayer de retourner la bête. Donc j'ai fait des petites fentes pour permettre voilà, c'est assez sympathique pour permettre au, comment dirais-je, à la chaleur de pénétrer le poisson. Donc là, on va le laisser finir de cuire, tout doucement. On va remettre un ou deux petits brins d'herbe, comme ceci. On va saler, ne pas oublier. Voilà, et on laisse cuire tout doucement. Voilà. Donc pour les grands poissons, si vous trouvez, des fois on trouve des cloches tout en longueur chez certains revendeurs de plans de chasse, c'est assez intéressant. Donc voilà notre maigre qui finit de cuire tout doucement. On va vérifier la cuisson. Donc 55, là on est
On n'est pas tout à fait, mais avec l'inertie thermique, on va y arriver tout doucement. On va le débarrasser sur le plat. Donc il a cuit en quelque sorte un petit peu indirectement sur son lit d'herbe avec les petits citrons confits. Voilà, j'arrête la plancha, donc c'est un plat en terre qui risque pas grand chose puisque c'est une poterie. Donc il est évident que le thym, tout ça, il faudra éviter de le manger, bien sûr. Hein. Il n'était là que pour aromatiser le poisson. Donc nous allons déguster notre maigre. Donc j'ai prélevé un petit morceau de filet. Donc ce qu'on peut voir déjà, la cuisson, elle est parfaite, il est pas sec, c'est souple. Donc je n'ai fait aucune sauce. C'est naturel avec les légumes. Alors on sent bien les petites herbes, le romarin, le thym. Le thym qui vient donner un petit goût assez agréable. Donc on peut goûter aussi avec un petit bout de citron confit. Donc attention, les citrons confits, ils ont tendance à brûler un peu. Hein. Voilà. C'est le paradis. Le paradis. Les petits piments doux. Donc je pense que je les ai un tout petit peu trop grillés. Il aurait fallu que je les arrête peut-être 5 minutes avant pour pouvoir accompagner le poisson. C'est très équilibré, on retrouve le goût original du poisson, du piment. Voilà, ce qu'on recherche un peu maintenant, c'est dans la cuisine, c'est nature. Donc les courgettes, alors les courgettes par contre, je les ai bien assaisonnées avec de l'ail, du basilic. Elles sont encore un tout petit peu croquantes, c'est très agréable en bouche, c'est assez salé. Bon, ben, je pense que c'est un très bon plat de l'été, bon, qui mériterait peut-être des piments un petit peu moins cuits, mais franchement, c'est très agréable. Donc, n'hésitez pas, le maigre, c'est un petit peu moins cher que le bar, ça reste quand même un poisson qui est très recherché dans le sud-ouest. Donc voilà, à bientôt.